Voilà, nous sommes à l'heure pour le rendez-vous de la rédaction, l'information de ce jeudi 9 décembre 2021. Et nous commençons par les titres avec Arnaud Berry, l'Olcierdr. Un bureau territorial Erasmus+ pour la Guyane. Erasmus, ce programme de mobilité qui permet à des étudiants de vivre une expérience à l'étranger parmi les pays membres de l'Union européenne. Depuis le mois de septembre, un bureau territorial Erasmus a ouvert au centre social de la mairie de Macouria. 7 bureaux similaires ont ouvert partout en France dans le cadre d'une expérimentation. En Guyane donc, mais aussi en Guadeloupe, Martinique et dans certaines régions de l'Hexagone. Alors comment partir par exemple au Portugal, en Pologne ou en Irlande avec un programme Erasmus? Frédéric Lumeto-Ipolo est chargé du bureau Erasmus+ territorial de Guyane. On prend contact déjà par notre numéro de téléphone 06 94 44 38 38 44 38 38. J'ai beaucoup de demandes et j'ai du mal parfois à expliquer aux gens qu'un projet européen, c'est N+1 en général. Ça veut dire que c'est maintenant qu'on dépose des dossiers. Le 23 février, on dépose des dossiers. On a éventuellement une réponse de l'agence en juillet-août et les premiers départs réellement ne pourraient se faire qu'à partir de septembre-octobre. Du coup, cette attente-là, parfois nos jeunes sont très pressés. Pour eux, quand on leur dit « tu peux partir », ils se disent « ok, je prends l'avion dans 2 jours ». Non, ça se prépare. Il faut juste que les gens comprennent que oui, on a la possibilité de partir, on peut déposer les dossiers, mais c'est N+1 très souvent entre le moment où on dépose un dossier et le moment où on part en mobilité. Frédéric Lumeto-Ipolo, chargé du bureau Erasmus+, territorial Guyane, elle répondait à Elias Halil Agresti. Et puis, en quelques chiffres, depuis 2014, 448 étudiants guyanais sont partis dans un autre pays européen. Le Portugal et l'Espagne représentent à eux seuls plus de la moitié des pays choisis par les Guyanais dans le cadre de ce programme, avec une durée moyenne de séjour de 51 jours.